Toujours sur le CES 2008 avec Focal qui présente une version S de sa série Electra 1000. Alors S, pourquoi S? On connaissait BE précédemment. Oui, BE, l'Electra BE qui était lancée il y a un peu plus de deux ans avec un très très grand succès, avec les technologies exclusives Focal, le fameux tweeter en beryllium pur. Et pour étendre, cette offre, on a souhaité développer une version, si on peut estimer que le V8... Le beryllium est une base de V8, pour prendre l'analogie avec la voiture. On a essayé de développer un très très bon V6, et c'est ce qu'on a fait avec S, avec un tout nouveau tweeter, qui est un tweeter aluminium-magnésium. Vous savez que le coût du beryllium est réellement très élevé, puisque c'est de l'ordre de 100 fois le prix de l'or. Et nous avons travaillé dur pour trouver des solutions beaucoup plus abordables, techniquement et en termes de qualité de son très avancées, pour offrir... ce qui fait un peu la magie d'Electra, c'est cette gamme Electra 1000, où il y a réellement un travail de design, un travail au niveau des matériaux, au niveau de l'intégration dans le local. Et on a travaillé dur pour le rendre plus abordable, puisque la version S est en moyenne 30% moins chère que la version en beryllium. D'accord. Je vois que ce V6 est disponible avec des nouvelles peintures métallisées. Oui. De plus en plus dans notre domaine, il y a une demande pour des produits exclusifs. Et nous, on souhaite mettre notre avantage concurrentiel qui est de fabriquer en France l'ensemble des composants et aussi de l'ébénisterie dans une entreprise qui nous appartient. Et donc, ce qui nous donne une force énorme par rapport à nos concurrents de pouvoir faire quasiment des finitions sur demande que l'on va démarrer avec les Electra Beryllium. Et parallèlement à ça... Plutôt que de se satisfaire de finitions un peu génériques, très classiques, on a décidé de frapper assez fort avec des finitions, plus tendances, telles que ce Macassar, qui donne réellement un côté très racé et très exclusif à ce produit. Alors ça, c'est disponible, bien sûr, sur l'intégralité des enceintes, que ce soit la centrale ou même le caisson. S est décliné pour la bookshelf, la 1007S, la 1027, la 1027S, qui est très proche que la 1027BE. Mm-hmm. Un petit sub dont le volume a été revu par rapport à la version SW1000BE. Ce petit sub est beaucoup plus compact. Il utilise un 11 pouces au lieu d'un 13 pouces. D'accord. Avec la même électronique, le même DSP, une centrale, une surround. La 1037, qui est le haut de la gamme beryllium, ne sera pas déclinée en version S. D'accord. Bah écoutez, on vous remercie et puis on espère voir ces produits prochainement. C'est le lancement officiel de cette gamme. Donc la disponibilité interviendra dans le courant du mois de janvier. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.